Alors là, je crois que tu t'es trompé, il faut que tu effaces. Oh. Alors. Comment ça pendant que tu es en train de chercher, voilà qu'il y a Nestor qui est arrivé. C'est un dernier invité ici sur le plateau. C'est l'invité de la surprise. Oui, oui, oui. C'est bien entendu, vous l'avez reconnu, Nestor. Nestor et son maître, David Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va pas mal, alors que tu viens apprendre à pianoter sur les ordinateurs, toi aussi? Donne-moi ça. Non, on va pas t'en donner un maintenant. Bonjour. Je lui dis bonjour. Comment tu t'appelles? Hello. Comment tu t'appelles? Alors là, il y a une petite fille qui est intimidée. Elle s'appelle Andrea. Andrea, bonjour Andrea. Moi, c'est Nestor. Alors Nestor, est-ce que tu sais te servir d'un ordinateur? Non, pas encore. Fais voir. Tu veux voir? Oui. Alors, on va se projeter, j'en ai le courant. Oui. Alors, excuse me. Oh, coucou. Oui, bonjour. Attends. Alors. Ok. Oh. Ah. Oui. Oui. Alors, écoute-toi. Non, mais... Alors, comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Laurent. Bonjour, moi, c'est comment? Nestor. Est-ce que ça te regarde? Oui, ça me regarde. Regarde à tous deux, toi. Regarde. Oh. Oh. Bien, tu vas t'installer devant un ordinateur, non? Oui. On va s'installer devant un ordinateur. Tiens, devant celui-ci, là. Il y a Nestor qui est en train de se promener, qui va se chercher. Alors comment il s'appelle celui-ci? Qu'est-ce voilà. qu'il s'y connaît en ordinateur? Alors Nestor va venir pianoter sur l'ordinateur. Alors est-ce que ça t'impressionne, Nestor? Oui, bien sûr. Nestor, il fait des bisous à tous les enfants qui viennent. Tu pianotes pas un peu n'importe quoi, là? Si. Qu'est-ce que tu as l'intention de nous faire, là? D'écrire quelque chose? Il veut dessiner un Nestor. Allez, dessine un Nestor. Pas. Non, il n'a pas l'air, de se décider. Oh. Alors. Oh. Attends. Non. S'il reste tranquille, tu dis. Alors. Oh. T'as pas de chocolat? Non. Bien. Attention de ne pas tomber, hein. Oui. Bonjour. T'as pas de chocolat? Hein. Oh. Coucou. Arrête. Reste tranquille, Alors. Bien, tu t'assois là. Hein. Voilà, faut pas tomber parce que j'ai peur que tu tombes. Voilà. Bien. Eh bien, tu vas nous chanter. Écoute, je crois que le meilleur moyen, c'est de lui faire chanter une chanson en attendant. C'est comme ça qu'on arrivera à le faire taire. Hein. Il n'y a plus qu'à y aller. Bien, vous asseyez à côté, là. Il y a un problème. Arrête. Ça fait rien. Arrête. Bien, tu nous chantes. Qu'est-ce qu'il peut nous chanter? Qu'est-ce que vous voulez qu'il chante? Allô? Au clair de la lune, oui, ami. Au clair de la lune, mon ami Siro. Reste à ta fumée pour écrire un mot. Naissant de l'inerte, je n'ai plus de feu. Ouvrez ma ta porte. Oh, alors, elle est tombée. Non, elle n'est pas tombée, allez. Eh bien, Nestor, merci pour cette excellente interprétation de Au clair de la lune. Si je te coupe la parole, Nestor, c'est que tout simplement, à l'autre bout du plateau, nous attend un journal télématique. Oh, Nestor est très timide. Nestor ne sait visiblement pas ce qu'est un journal télématique et ça l'inquiète. Mais je pense que donc nous allons voir dans quelques instants ce journal télématique présenté par Gilles Chevron qui fait partie lui aussi du CESTA. Auparavant, un clip de Mike Oldfield.